Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Enfin, j'en ai pas beaucoup fait au mois d'août parce que j'étais en colo et en vacances ensuite. Donc voilà, donc là, on reprend les rythmes des vidéos, à peu près une vidéo par semaine. Donc là, c'est la review d'une commande Bricklink que j'ai faite. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc déjà, j'ai pris deux figurines. Si ça marche pas, petit fail. Ah, donc Hera Syndulla et Sabine Wren qui viennent compléter mon équipe Spectre qui se porte maintenant à 5 membres. Il me manque plus que Zeb Oreios. J'ai pris également une tête comme ça. J'avais pas beaucoup de têtes féminines, donc voilà, c'est pour mettre dans des mocs quand je ferai des mocs avec des civils. J'ai pris beaucoup de pièces pour mon moc pour Mustafar. Donc déjà j'ai pris ça. Hop, donc là j'en ai commandé 10, j'en ai reçu que 9. Donc je vais voir avec le vendeur si pour qu'il m'envoie la pièce manquante. Voilà, donc les 9. Hop, ça va me servir à faire une plateforme d'atterrissage pour mes TIE. J'ai pris également des pièces comme ceci. Hop, donc là j'en ai pris 32. Voilà, je vous les mets là. Hop. J'ai pris des pièces comme ceci pour refaire mon infirmerie avec. Déjà, c'est la taille d'une figurine là, cette fois-ci. Hop. Ça fait vraiment la taille, donc, parce que les autres elles faisaient 4 de haut, donc une figurine c'est un peu plus de 5, donc il me fallait au moins une 5 de haut. Donc ça j'en ai pris 2. J'ai pris toujours dans la même couleur des pièces comme ceci. Ça j'en ai pris 12, c'est pour faire des baies laser, des trucs comme ça, des espèces de murs laser ou des ponts laser, des trucs comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool comme pièce, c'est une jolie pièce. J'ai pris de quoi faire des commandes, donc cette pièce là, donc ça je l'ai pris en 6 exemplaires. Voilà. J'ai pris également cette pièce là. Cette pièce-là et cette pièce-là en quantité équivalente. Le but, c'est d'arriver à faire ça. Voilà. Donc ça, je vais me faire plein de bonbonnes. Hop. Voilà. Donc ça, je suis plutôt content. Et en plus, ces pièces-là, je vais les réutiliser pour faire un autre truc après, mais il va me manquer des pièces. Parce que je les ai pas trouvées sur le store Bricklink que j'ai pris. Donc là, j'ai également ça. Qui va me servir pour plus tard, mais ça va, je ne vais pas vous en parler tout de suite. J'ai pris également des pièces comme ceci. J'en ai pris 4. Et j'ai pris celle dans l'autre angle. 4 également. Hop, voilà. Pour faire des bouches d'aération sur les toits, j'ai pris ceci. J'en ai pris 2. Voilà, je trouve que ça fait vraiment classe. Tac, ça fait vraiment aspect bouche d'aération, donc ça c'est cool. J'ai pris également des lance-missiles à ressort. Là, j'en ai pris 8 parce que je vais faire une DCA avec 2 x 4 missiles, donc 2 batteries de 4 de chaque côté. Donc ça va être cool. Donc j'ai déjà les missiles, donc c'était pas la peine que je les achète. Voilà. J'ai pris 2 filets comme ceci. Hop. Donc ça sera pour des mocs plutôt forestiers, donc je vais pas m'en servir tout de suite en mode filet de camouflage. J'ai pris des 4 par 6 en rouge, j'en ai pris 12 pour faire la lave sur Mustafar. Voilà, donc vous voyez une commande très très Mustafar. Et je crois que j'ai rien oublié, il me manque une pièce qui est un peu le clou de ma commande qui m'a coûté. Alors c'est une toute petite pièce qui m'a coûté extrêmement cher, elle m'a coûté 6 euros la pièce. C'est un peu un prix scandaleux. Je vous la mets sur une bonbonne pour que vous la voyez bien, mais c'est une super pièce. C'est l'hologramme de l'empereur. Voilà, donc ça, tout de suite, ça met du cachet dans un mock. Voilà, donc c'est vraiment une pièce superbe. Elle est vraiment nickel. Voilà, donc ça va être pour faire un hologramme de l'empereur. Voilà. J'ai également passé une commande sur le Lego Store, le Shop at Home. J'ai commandé le Death Star Final Duel. Voilà, donc je ferai la review assez rapidement. Et j'ai oublié aussi 2 pièces que j'ai commandées. Donc j'ai aussi commandé ça en 4 exemplaires. Hop. Et un escalier que j'ai pris en 2 exemplaires. Voilà, donc ça va me servir à faire la base de la plateforme d'atterrissage et la jonction avec la base. Voilà, donc je disais, j'ai pris le Death Star Final Duel. Donc dedans, il y a la nouvelle figurine de Dark Vador, la figurine de l'Empereur, celle de Luke Skywalker et 2 gardes impériaux. Voilà, donc je vous ferai la review très bientôt. Voilà, donc quant à moi, bah, je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de l'avancée de mon mock sur Mustafar, dont la première update va arriver très vite. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.